Ça prend pas mal, mais on était plusieurs à te trouver un peu pénible dans ton personnage de gros macho. Alors on s'est dit, il y a peut-être moyen de le rendre plus nuancé, tu comprends? Mais on n'aimerait pas t'avoir fait du tort. On a appris que ta femme était partie et on se sent mal maintenant. Faut pas. Ah si, il faudrait bien que ta femme revienne et que tu rentres dans l'ordre. Tu m'en veux pas trop? Non, je t'en veux pas. Pourquoi je t'en voudrais? Tu me rassures. On t'aime bien, tu sais. On voulait juste te faire marcher un peu. Je comprends votre timidité, François, mais faut surmonter ça. S'il y a un homme qui doit être sur ce char, c'est bien vous, non? Je sais, mais c'est pas mon truc, je vous dis. La foule, les projecteurs, la parade, c'est pas moi. Alors, autant vous dire tout de suite que le président comprendrait mal votre refus. C'est lui qui a eu l'idée. Agnès, c'est parti. Comment? Ma femme, elle m'a quitté, j'habite tout seul maintenant. Ah bon? Je vais vous laisser, François, mais j'aimerais bien avoir une réponse rapidement. Agnès, c'est parti, j'habite tout seul depuis 2 jours. J'ai entendu, oui. Tu veux un café? Tu veux pas habiter avec moi? Hein? Puisque je suis tout seul, on pourrait peut-être vivre ensemble? Non. Pourquoi? Parce que